Ingrid Jacquemot a du mal à réaliser. Pas question d'exploser de joie. Pourtant, c'est bien elle qui a gagné la descente de Sainte-Catherine, en Italie. Pour s'imposer, la Française dit avoir skié ventre à terre. En tout cas, voilà bien une victoire qu'elle ne risque pas d'oublier. C'est la première de sa carrière. Une victoire dont on n'a pas fini de lui parler. Car dans 3 semaines, sur cette même piste de Sainte-Catherine, se disputeront les championnats du monde. Ça fait déjà 2 ans où je progresse tout le temps à l'entraînement et en course, j'arrive pas trop à concrétiser tout ça. Et aujourd'hui, c'est fait. Sur le podium, Ingrid Jacquemot était aux côtés de Carole Montillé. Deux filles aux 3 premières places, voilà bien longtemps que le ski français n'avait pas connu un tel bonheur. Chez les garçons, en revanche, ça ne s'arrange pas. Antoine Deneria, le meilleur descendeur, s'est blessé cet après-midi lors d'une descente d'entraînement à Chamonix. Rupture des ligaments croisés, sa saison est terminée.